Ça va? Crevé. Pareil. T'es resté en pyjama toute la journée? Ah ouais, enfin, je viens de me réveiller. Gab, ça fait 3 mois que tu te reposes, hein. Va peut-être falloir trouver du boulot, non? Ça va, on est coloc, on a des rythmes différents. On n'est pas coloc. Dans colocataire, il y a le mot locataire. Et jusqu'à maintenant, Gab, c'est moi qui paie le loyer, tout seul. Tu peux retirer tes pieds de la table basse, s'il te plaît, je te le répète à chaque fois. Eh, te défoule pas sur moi parce que t'es frustré par ton boulot de merde. Je te pose une question, un job, tu vas en trouver un? Non mais tu crois que c'est facile pour moi? J'arrive plus à écrire. Je te l'ai dit combien de fois? Pour toi c'est facile, t'as juste à te mettre à ton bureau, tu tapes tes petits chiffres, tu rentres chez toi, tu recommences le lendemain. Moi j'ai besoin d'inspiration pour travailler et tu m'aides pas à la trouver, donc je joue. Ok, tu veux que je t'aide? T'as 1 semaine. Pour? Pour trouver un job. Après ça, si t'as rien, je te dégage. Merci Sam, t'es un vrai pote. Welcome to Gunship. J'ai fait analyser les empreintes trouvées sur la scène de crime. Tout porte à croire que la femme de Monsieur Martin est largement impliquée dans cette affaire. Charles, ne m'appelez pas inspecteur en public. Ce que les empreintes révèlent, Charles, c'est que la femme de Monsieur Martin était bel et bien présente sur la scène de crime au moment des faits. Oui, c'est ce que je viens de dire. Votre problème, Charles, c'est que vous ne voyez que la partie émergente du navire. De l'iceberg. Comment ? Rien. J'ai décelé des détails qui ont pu vous échapper, mais qui cachent un lourd secret nous menant tout droit au tueur. Je peux donc affirmer que le coupable est... Est ? Et merde. C'est toujours la même chose. Mon histoire avance, et au moment où ça devient intéressant, j'y arrive plus. C'est clair. Eh, toi, tu la fermes. Tu pourras la ramener quand t'auras trouvé le tueur. Sympa. Passe-moi le journal. Oui. C'est moi. Deux. Pour l'annonce. Bon. Entrez. En gros, cet appart appartient à mon père. Et vu qu'il est à l'étranger, il me l'a laissé. Mm-hmm. Sauf que moi, j'ai autre chose à faire. Bon. Je vous fais la visite. Salon. Salle de bain. Chambre. Toilette. Le deal, c'est pas de bruit, pas de désordre, pas d'invité surprise. De votre côté, vous appréhendez les cambrioleurs et vous arrosez la plante verte. De mon côté, je vous fais profiter de ce magnifique appartement pendant 2 semaines. Des questions? C'est payé? Est-ce qu'on est payé pour vivre au paradis? Salut Sam, tu vas bien? Écoute Gab, je suis au taf là, je peux pas trop te parler. Je comprends que l'argent passe avant notre amitié, je peux pas t'en vouloir. Arrête Gab, tu sais très bien que j'ai pas dit ça pour avoir des... Non, n'insiste pas. J'ai pris mes affaires et je suis parti. Parti? Et comment ça, tu vas vivre où? Je sais pas encore. Je vais arpenter les rues à la recherche d'un endroit chaud pour dormir. Puis je me lèverai aux aurores pour essayer de me trouver à manger et reprendre ma route. Quoi? J'ai lu que c'était pas bon de dormir trop longtemps dans le froid. Il y en a qui se sont jamais réveillés. Bah sérieux, Gab, arrête tes conneries, rentre à la maison qu'on en parle. Je dois te laisser, essaie pas de me rappeler. Gab, mais oh, mec, vous Gab, faites quoi? Arrêtez, vous êtes taré, au secours. Ah! «
Bon, pourquoi tu veux pas parler? Mais je vais pas vous dire pour qui je bosse, patron. Il va me faire du mal, sinon. Mais ça fait une demi-heure que je te mets des mandales. Je t'en fais déjà du mal. Ouais, mais c'est pas pareil. Lui, c'est un barge. Il a un œil en moins et il éventre des gens. Au couteau. Quoi, je te fais pas assez peur, c'est ça? Il faut que je m'arrache un œil pour que tu fasses dans ton froc? Alors, déjà, ça va vous faire super mal, et puis surtout, je vois pas le rapport. Moi aussi, je suis un grand malade! C'est dommage que vous le preniez comme ça, patron. Essayez de le voir comme une critique constructive. Tu sais, ça m'a pris du temps pour en arriver là. J'ai dû mentir, tricher, tuer même. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que c'est moi le patron. Alors, si j'ai envie de me lever à n'importe quelle heure ou de mettre mes pieds sur la table, personne ne peut m'en empêcher. Ah, mais ça, c'est indéniable. Vous avez toujours eu un talent pour la mafia. Mais regardez-vous aujourd'hui. Avec tout le respect que je vous dois, vous vous êtes un peu laissé aller. Pour qui tu bosses, Raoul? Bah voilà, bravo, vous m'avez ouvert l'arcade, vous êtes content? Mais patron, moi tout ce que je veux, c'est vous aider. Ouais, Sam. Je vais pas très bien, là. Tu peux me rappeler? Bien, mon gars, t'as tué un de mes hommes aujourd'hui et c'est vraiment pas sympa. Alors voilà ce qui va se passer. Je vais t'éventrer de haut en bas, lentement. Puis je vais vider tes tripes et je vais te coudre une fermeture éclair sur toute la longueur. Et tu me serviras de sac de couchage quand j'irai faire du camping. Je reviens demain soir. Je veux que ces prochaines 24 heures soient les plus longues de ta vie, t'as compris? Ça va, patron? Bien dormi? Pourquoi vous disparaissez pas, hein? C'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. Ça va pas, patron? Non, ça va pas. Pourquoi vous êtes si réel, bordel? Pourquoi est-ce que j'ai fait me faire violer par moi-même la nuit dernière? Et que maintenant, un de mes clones me fait une omelette? Bon, vous allez finir de vous réveiller tranquillement, et vous allez manger votre petit-déj. Et après ça, faudra qu'on parle de notre problème. Quel problème? Bah, je fais référence à la petite bêtise que vous avez faite, patron. Je crois que je suis fou. Je vais appeler les urgences. N'y pensez même pas. Toutes les preuves sont contre vous, vos empreintes sont sur l'arme. Mais non. En fait, faudrait trouver de grands sacs poubelles et les découper en morceaux dans la salle de bain. Ça n'a pas de sens. C'est vrai qu'on n'a pas de scie à métaux. Mais tu comprends pas?
Si on commence à déplacer le corps et qu'on le découpe en morceaux dans la baignoire, je vais avoir une panne d'inspiration. Je sais pas comment faire, après faudra tout recommencer. Un couteau à pain, ça peut couper un fémur. Mais pourquoi je te parle? En attendant, patron, si vous trouvez pas une solution, on est coincé. On pourrait pas dire qu'en fait, je me réveille et tout ça, c'était qu'un rêve. Essayez de réfléchir à une alternative. Salutations, je suis The Flug, de la planète Oléopédia, constellation du Mirador. Je viens pour le cadavre. Bah tu vois, j'aurais pas cru que ça serait aussi rapide. Ah bah, avec les photons métaphysiques, on peut faire disparaître et apparaître pas mal de trucs. Ouais, mais là, c'était un cadavre entier, c'est quand même impressionnant. J'ai pas mal de style, c'est vrai. Mais en même temps, sur ma planète, c'est obligatoire d'être stylé. Tu peux être condamné à mort, sinon. Ah ouais? C'est chaud, quand même. Bah attends, on parle de l'Empire Oléopédien, hein. Pas de la planète Glufur. Double Golimax. Oh non... Alors c'est tout? Franchement, tu manques d'originalité sur ce coup-là. Je commençais presque à me dire que j'aurais pas te tué. Mais voilà, tout ce que t'es capable de faire, c'est des tirades flippantes qui ont aucun sens alors que tu pourrais essayer de m'aider, bordel. Tu vois pas que j'ai à deux doigts de faire une connerie? À deux doigts. Très drôle. Allez, je te donne 2 minutes, après je te découpe en morceaux. J'ai plus envie de jouer. Oh, mais tu vas arrêter de chialer 5 minutes! Mais ça va, je chiale pas! Mais si tu chiales, regarde-toi, tu dégoulines de partout, t'es dégueulasse! Mais je te permets pas, j'ai plein de soucis, je dégouline si je veux! Toi, t'as des soucis. Et de toute façon, je dégouline pas, alors... Et 13 10 secondes. C'est bon, t'as fini? 9. Non mais tu te fais pas peur, ça... Ça sert à rien. 6, 5. Mais non, 4, quoi? Ah non, 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 attends, 3, mais non, mais je te... Attends, s'il te plaît. Non, 2, non, mais une seconde, tu m'as pas dit. Mais oh, mais putain, mais non! J'aime bien ça. Je t'aime, Béatrice. Le cuistot? J'aurais vraiment besoin de ton aide, là. Ah ouais, donc parfait, tout le monde s'est barré, quoi. Non, non, mais très bien, non, mais de toute façon, vous savez quoi? Moi, si je meurs, vous mourrez. Donc, Patron. Ah super, t'es là. Bon, donc ce qu'on va faire, c'est que tu... Qu'est-ce qui t'arrive? Non, 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 non! Salutations, je suis The Flug. On n'était pas obligé d'en arriver là, Gab. Tu sais, dans le fond, tu te trompes. Tout ce que je veux, c'est que t'ailles mieux. Eh, hey, tu m'approches pas, hein. J'ai utilisé tous les moyens possibles et tu réagis pas, donc ça se fait dans la violence. C'est comme ça. Si tu vas mal, on va tous mal. Bouge pas, t'es pris la main dans le sac. Quel sac? C'est une expression, inspecteur. Parfaitement. Le Pégu? Qu'est-ce que tu fous là? Tu vois pas que je suis occupé? Tu es en état d'arrestation pour crime, dépeçage et taxidermie sur être humain. Mais quel rapport avec un taxi? Vous n'avez aucune preuve contre moi. Boum! Le décès! Bien joué, inspecteur.
Encore une bonne chose de faite. Le temps presse, inspecteur. Le mystère de la tapenade empoisonnée n'est pas encore résolu. Ça tombe bien, je commençais à avoir les crocs. Qu'est-ce que tu m'as fait, enfoiré ? Je t'ai tué. Ça picote un peu. Écoute, il y a un secret qu'il faut que tu saches. Quand t'étais petit... Non, 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 c'est bon. Merci. Bon, d'accord. Je voulais dire que... Quoi? Qu'est-ce qui... Mais vas-y, dis-moi. Bon, j'étais pas à la rue, en fait. J'étais dans un appart sublime et je voulais te faire culpabiliser alors que c'est moi le connard depuis le début. Et j'espère que tu vas me pardonner parce que t'es mon meilleur pote et que t'es la seule personne au monde qui soit aussi nulle que moi à Super Smash Bros. Et voilà, si je te perds, ma vie, elle est nulle. Ok. Tu rends mon âge quand? Écoute, je sais pas trop... Je préfère d'abord me reprendre en main... Ah non, attends, Gab, je disais ça pour plaisanter, parce que faut que tu dises un truc, bah, j'ai vendu ton plumard. Ah, mon plumard? Ouais, tu vas pas pouvoir emménager, hein. Ah, zut! Je comptais rester tout seul, tranquille. Ah, parce qu'en fait, moi, je voulais que t'aies pitié de moi et que tu me supplies de rester chez toi. De la compassion? Oui. Genre, moi, pour toi? Bah oui, comme ça. Oh, c'est ça drôle, va. C'est bizarre, mais j'ai rien éprouvé du tout. Bon... Que dalle. Bon, bah, écoute, ce que je te propose, c'est que je t'inviterai à ma crémaillère dans mon nouvel appart, mieux que le tien. Ok, j'y serai. À une condition, t'auras une table basse? Oui. Que je puisse mettre bien mes pieds dégueulasses dessus? Mais oui, moi j'adore les tables basses, pareil que toi. Bah je savais que t'adorais. Incroyable.